De nan otèk ap an sinyatu yo, Dr. Ronnie Gillot ak ansyen general prezident Prosper Avril ankouraje patisipan yo achete liv yo. Leslie François Maniga ou les infortunes du risque calculé, 7e volume, série au gré de la mémoire là pour premier a, ak l'aventure militaire des 13 guerriers héros de jeune Haïti pour deuxième nan. Otèk yo félicite tout organisateur livran folio ki kreye yon espace pou permettre yo prezante lekte yo publikasyon yo. Yon apre l'autre, Dr. Ronnie Gillot ak ansyen général Prosper Avril. On commence à défaillir. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement parce que le livre ne couvre qu'une courte période de temps. Ma manga reste au pouvoir 4 mois et il est suivi par ma fille. Donc je demande à tous mes amis, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire immédiate, de me rejoindre au Pape Kalasuk à la signature de ce dernier ouvrage. Et je tiens à signaler que tous les autres ouvrages seront là. Avant, chez Anaïs Chavenet, à Communication Plus, François Duvalier, le mal-aimé, Jean-Claude Duvalier, l'ingénuité captive, Jean-Claude Duvalier ou la chance gavaudée. Je vous fais remarquer que Jean-Claude Duvalier vient de mourir, c'est peut-être le moment de se renseigner sur ce qu'il a fait et comment il a été au pouvoir. Et ensuite, Henri Nafi, Gary Conny et Roger Lafontaine. Je vous remercie. Je félicite les organisateurs pour leur constance dans la réalisation de cette heureuse initiative patriotique. Cette année, après la production de mon dernier ouvrage, Le Mupana, un monde à découvrir, qui sera encore en vente à Livanfolie cette année, je présente un nouvel ouvrage qui est en principe mon 13e ouvrage qui coïncide heureusement avec le titre de mon livre, L'aventure militaire des 13 guerriers héros de jeune Haïti. Donc, ça couvre les événements qui se sont déroulés en 1964, ce qui fait exactement 50 ans. Alors, et l'idée d'écrire ce livre est venue du fait que, après 50 ans, et d'après toute ma lecture, je n'ai jamais pu lire ce qui s'était passé vraiment sur le terrain au cours de cette année 1964, été, automne 1964. Donc j'ai voulu combler ce vide et j'invite tous les lecteurs, les lectrices et surtout les jeunes à couvrir, à prendre lecture de ce livre qui sera à Livanfolie cette année. Je vous remercie beaucoup.